Bonjour, je suis Brice Tchanquet, responsable pédagogique de l'équipe AK-44SD. Et moi, je suis Tony, initiateur de Krav Maga de AK-44SD. Dans cette série de vidéos, on va travailler tous les programmes de la FEKMRD, la plus grande fédération de Krav Maga au monde, de la ceinture blanche à la ceinture marron. Doucement. Alors, nous allons travailler la sortie de saisie de t-shirt à une main. Version soft, applicable par les enfants ou par les adolescents dans un espace scolaire. Doucement. Premier temps, création d'espace entre la main, mon corps et le t-shirt. 1. 1. En même temps, je vais faire un grand arc de cercle avec mon bras. Qu'il soit fait dans un sens ou bien dans l'autre, afin que mon avant-bras passe au niveau du tissu. 1. Vers l'intérieur. 1. Vers l'extérieur. On n'oublie pas à la fin d'être en garde passive et de détendre notre agresseur, mais d'être également prêt en cas de récidive. 1. Maintenant, variante numéro 2. Au lieu de créer de l'espace et venir faire un arc de cercle vers l'extérieur, je vais partir faire un arc de cercle vers l'extérieur et revenir vers l'avant, afin que mon bras passe derrière son coude. Je crée de l'espace, je ravance mon bras derrière son coude. Je viens saisir, paume contre tranchant, et je travaille avec tout mon corps. Les hanches, le buste, le dos. Pas simplement les bras, mais tout le corps. Tiger Woods. Very well played. Is it perfect? Is it perfect? Oh yes! 1. 2. Je viens saisir. 3. La clé. Oui, mon Brice, ça c'est très joli, mais ça marche pas. Je ne vais pas jamais arriver à te faire aller. Tu peux faire ta technique? Non, jamais je vais faire ça. Non, le gym. Alors, Tony, attrape-moi comme tu le ferais dans la rue. J'ai compris, j'ai compris. Qui va payer le pressing? J'ai compris, j'ai compris. Donc, la troisième version qu'on vient de voir avec Tony. Cette fois, l'agresseur est un petit peu plus virulent. Il me pousse, c'est entre une frappe et une saisie de t-shirt. Il me pousse violemment à l'épaule. Je vais profiter de sa force, comme vous l'avez vu quand il me pousse, mon pied part vers l'arrière. En même temps, je vais happer son bras pour venir sur une frappe coup de coude au visage, sur des frappes circulaires, sur des coups de coude rentrant dans les troncs nerveux, une saisie, et après, genou, frappe et frappe. Attention au niveau de la proportion, comme on l'a déjà travaillé il y a 2 semaines. Quand je suis saisi simplement, essayez de ne pas frapper trop fort. Et à l'école, ne frappez pas, s'il vous plaît, les enfants. Mais si je suis dans la rue et qu'il a un gabarit supérieur au mien, peut-être que c'est la seule chance et la seule occasion que j'aurai de pouvoir fuir. Donc je suis saisi, je vais engager quelques frappes pour pouvoir créer de l'espace et me laisser l'opportunité de fuir. On ne le répétera jamais suffisamment, privilégiez la fuite au combat. Donc maintenant, nous allons travailler la technique pour que vous puissiez la travailler tout seul. Première technique, sans frappe, juste la création de la distance. Donc 1, je recule un pied, je crée de la distance. 1. 1. En 2, je vais faire un grand arc de cercle et on cumulera les deux en simultané. 1, 2.
Le bras doit être bien large, pas un tout petit, mais un mouvement très large, le plus proche possible de mon torse, de mon nez et de l'extérieur. Un beau soleil, qu'il soit fait dans un sens comme dans l'autre. Nous allons maintenant faire les deux temps simultanément. 1. Dans un sens. 2. Dans l'autre sens. 1. Dans un sens. 2. Dans l'autre sens. Peut-être que certains d'entre vous ont remarqué, quand je fais le mouvement, mon autre main se lève. C'est un réflexe que j'ai pour que la main remonte très rapidement en garde, soit prête également pour les frappes et puisse aussi travailler les dégrafages sur les étranglements. N'hésitez pas à nous suivre, à nous liker et à partager.